Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part j'ai un petit peu les chocottes, on va pas se mentir. Je suis en facecam aujourd'hui sur Minecraft et je me fais totalement taper de tous les côtés. Nous sommes sur le serveur Europa Park, je suis super excité de vous retrouver les amis pour une vidéo d'horreur. Je pense qu'on va passer un bon moment les amis, j'espère que ça va super bien se passer. Donc on est sur le serveur Europa Park, encore une fois l'IP est dans la description. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 25 septembre 2019, il est actuellement 19h25. Et vous le voyez derrière moi, regardez je m'en approche, Traumatica Horror Nights, vous le voyez juste au-dessus de moi. C'est l'événement d'Europa Park hein, aux environs d'Halloween. Donc Traumatica qui est reproduit sur Halloween. N'importe quoi, qui est reproduit sur le serveur Minecraft, je ne sais plus ce que je dis. Sachez que j'ai très très peur, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne connais même pas cet événement dans la vraie vie. Il y a pas mal de personnes qui sont présentes, notamment le fondateur. Et donc on va découvrir ça. J'ai eu l'autorisation de filmer. Voilà, parce que c'est vrai que j'aurais pu ne pas filmer, mais j'ai eu l'autorisation de filmer, donc c'est vraiment cool. Vous entendez ce son? Alors oui, on a des bruits d'ambiance hein, qui ont été rajoutés avec le... Ok, alors visiblement, l'événement va commencer, donc Traumatica va démarrer, j'augmente un peu le volume. Et go, bah je crois que c'est parti, donc je sais pas comment ça va se passer, donc encore une fois, même dans la vraie vie, je sais pas comment trop ça se passe. Je sais qu'il y a des maisons hantées, qu'il y a des petits trucs à se balader, qu'il y a des acteurs, évidemment. Les acteurs ne nous touchent pas, il faut pas les toucher, évidemment, hein. Je veux dire, c'est bon enfant quand même. Mais ça risque de faire assez peur, donc là, on va voir comment ça a été fait sur Minecraft, j'ai plutôt hâte de voir ça. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas. Ça fait peur. C'est la découverte. Un monde dans lequel 5 factions s'affrontent. Donc je disais, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu si jamais vous aimez la vidéo. Hein. Les Goosebanny. Die Debilen Fallen. Les Fallen Debilen. Das brutale Pack. Le Pack brutal. Und die bis unter die Zähne bewaffneten Resistance. Et la Resistance, armée jusqu'aux dents. Wem wird Myra Moon die Kraft verleihen, über Traumatica zu herrschen? Qui donnera à Myra Moon le pouvoir de gouverner Traumatica? Traust du dich, diese Fähigkeit zu bekommen? Oserez-vous entrer dans ce monde? Öffne das Tor zu... Ouvrez la porte. Horror Nights Traumatica. Ça y est. C'est trop drôle, ça y est, c'est trop stylé. Donc les portes vont s'ouvrir. Est-ce que c'est la bande son originale? Très bonne question. Bon, ma vidéo sera pas monétisée hein, avec les musiques, ça c'est clair. Ça, mais c'est un truc de ouf. Adieu la YouTube monnaie. Salut les droits d'auteur, comment ça va? Je déclare, attention, le fondateur. Les Horror Nights Traumatica officiellement lancés. Ça y est, les portes se sont ouvertes. Attends, c'est un truc de ouf. J'adore la musique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, la musique s'est arrêtée, hein, ça fait du bien quand même, hein, parce que... Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une belle voiture. Donc là, je vais explorer, je connais pas. Hein. Je connais pas de base dans la vraie vie. D'accord. Bon, il y a plein de monde, hein. Il y a plein de monde autour de moi. Ok, on passe... Ah, trop bien. Ça, il y en a des squelettes. Bonjour. Waouh. Salut! Trop bien. En fait, c'est tout un parc en vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'Europa Park, c'est grand quoi. C'est pas seulement. C'est impressionnant. Mais attendez, surtout que là, il y a une attraction juste là. M'Kolo, suis-moi. Ah ouais, vas-y, je vais le suivre. Je vais le suivre parce que je crois que je comprends rien. Si, c'est bien par là qu'il faut aller. Mais oui! Mais j'avais déjà fait une vidéo à cet endroit-là. J'avais déjà fait une vidéo à cet endroit-là, il me semble. Il est strictement interdit de filmer ou prendre des screenshots à l'intérieur de la maison d'horreur. Pour toi c'est bon M'Kolo. Ah voilà, donc c'était bien ça. Hein. C'était, je vous l'avais dit, j'avais eu l'autorisation. Ça va être la découverte. Je sais pas où c'est que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. Ah, je pense qu'il faut attendre. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, il est en train de... Parce que les gens veulent me passer devant. Eh ben c'est moi en premier. Merci Nathan en tout cas. Big up à Nathan en tout cas. Hein. J'imagine que tu regarderas cette vidéo. Il me fait vraiment VIP. Vous avez vu là, c'est vraiment pour que je puisse y aller seul et que je me chie dessus. Hein. Ouais, donc c'est bien un labyrinthe. Hein. Il faut sortir et visiblement ils reviennent. Il faut pas rester dedans. Ça y est, c'est parti.
Ok, ça y est, me voilà. Alors ça m'a pas fait peur. Ça m'a pas fait peur, mais c'est bien fait. Ok, oh, un extincteur, je peux le prendre. Très bien. Bonjour. Alors, je vais faire en sorte de pas trop abuser, hein. Si jamais je m'effraie, je vais faire en sorte de pas trop crier. Ok. Alors là, les mecs, j'adore. Mais pourquoi je fais ça ce soir? Pourquoi on fait ça à 19h30? Moi, ça me fait peur. Après, moi, je veux dormir. Oh, des seins. Donc, on a du sang. Très bien, de la lave. Bonjour. Oui, bah, il faut... Bon. Pour le moment, il faut juste... faire face à des screamers et suivre le même chemin, hein, donc ça va, ça me fait plus peur. C'est super bien fait, hein. Enfin, c'est super bien fait. Bon, au bout d'un moment, tu t'adaptes à la mécanique, hein. C'est bon, je l'ai compris, ça me fait pas peur. J'ai réussi. Donc, je me suis un peu... oui, t'inquiète, je sais qu'il faut attendre. Je me suis un peu renseigné. Je sais qu'il me semble, il y a 5 maisons. Voilà, j'ai oublié le reste, hein. Je me suis renseigné, mais j'ai oublié tout ce que je savais. Mais je sais qu'il y a une histoire qui a 5 maisons. Ah, ça y est, c'est parti. Non, mais là, il y aura un screamer, comme d'hab. Non, même pas. Bonjour. Ça gaze. On peut s'asseoir? Non, on peut pas s'asseoir. C'est censé être quoi? Ça me fait peur, hein. Ouh, il y a de la fumée. Ah, c'est trop bien. C'est bien fait quand même. Je peux passer? Eh, je peux pas passer. Ah bah alors, il y a eu un bug. Merci, il y a eu un bug, je pense. C'est dommage. Ok. Eh, c'est qui ça? Ah, mais c'est des acteurs. Ils m'ont fait peur. Ah! On n'a pas le droit de les taper, moi je me casse. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais écrire. Vous avez de la chance que j'ai pas le droit de vous... taper. Méchant. Bonjour. XD, c'est des bots. Allez, je viens de me faire humilier. Oups. Alors là, bonjour. Le screamer, il m'a même pas fait peur. Hein. On soulignera pas ça. Bonjour. Ah ouais, c'est des bots. D'accord. Putain, c'est bien fait. C'est bien fait. Moi, je croyais que c'était des vrais gens. Eh, mais ouais, ça fait grave peur de ouf. Là, il y a un screamer. 100%. Voilà, bah alors, même pas tu fais peur, toi. Oh, joli tunnel. On se croirait pas sur Minecraft, hein, des fois. Peut-être que trop de screamers tuent le screamer, je sais pas. Je comprends rien. Ah, j'ai eu un... j'ai eu un accès VIP pour aller plus vite. Ah, c'est gentil, ça. Merci, Nathan. Putain, j'ai vraiment des petits accès VIP, c'est sympa. Allez, c'est parti. Bon, il y aura des screamers, on le sait. Bonjour. Oula, ça va? Coucou. Alors, j'aimerais un Red Bull. Non, d'accord. Un Coca, s'il vous plaît, madame. Hein? Non, d'accord. Salut, ça va? Eh, tu fais la stripteaseuse, toi? Coucou. Bonjour. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas bien de dégorger des citrouilles. Est-ce que je dois passer derrière toi, c'est ça? Ah oui. Bonjour. Oh là. Oh là. Oui, oui, tu m'as pas fait peur. Eh? Mais faut que j'aille où? Ah, faut que j'aille là. Très bien. D'accord. Et c'est chiant parce que en vrai ça me donne des petits frissons. Oh là, oh là, il va me tirer dessus. Il est fou. Il est fou lui. Tu fais quoi là? C'est quoi comme arme d'ailleurs? Ok, tu regardes quoi comme télé? Non, d'accord, très bien. Okay. Non, 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 non. Mauvais timing, tu m'as pas fait peur. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est tout le temps les mêmes cris. Bon, ce screamer, il a bugué. Mais ouais, oh, des toilettes. Oh, il y a du caca. Mais alors ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je ne connais pas.
est-ce que c'est représentatif de la vraie vie ou pas? Genre, est-ce que dans la vraie vie, c'est exactement les mêmes trucs, les mêmes circuits avec les mêmes mécanismes? Ou est-ce que, voilà, ils l'ont fait à leur sauce? Yeah, yeah, ah, yeah. Voilà, dites-moi en commentaire. Sachez que en principe, très prochainement, je vais retourner à Europa Park avec ma copine et on va potentiellement pouvoir le faire dans la vraie vie, ce fameux Traumatica. Donc, c'est assez intéressant. Tu m'emmènes où, Nathan? Dis-moi tout. Oh putain, arrête, arrête, mais le feu. Très jolie houppette en tout cas, on croirait Tintin, Nathan. Voilà, je tenais à vous le dire. Tout le monde en commentaire, Nathan le Tintin. Ah ça y est, je peux y aller. Let's go. Oh, on a un petit minecart. Salut. Bon, il y aura encore les screamers, hein, on connaît. C'est peut-être un peu trop. C'est peut-être un peu trop, bon. Des fois, ça me surprend. Là, ça me surprend pas. Hein. Je peux aller là? Non. Ah, encore une femme nue. Bonjour, ça va? Lave-toi les dents, toi. C'était tout? Ah, c'était juste ça. Attends, j'ai attendu tout ce temps pour ce... Oh. Bonjour. Putain, c'est un bot. Bonjour. C'est rigolo, les bots. Bonjour. Putain, c'est trop bien fait. C'est pour ça que moi, je croyais que c'était des vrais gens, quoi. La honte, mais non, pas du tout. C'est super bien fait en tout cas. C'est marrant. Ça c'est bien, il me fait tout découvrir Nathan et comme ça il vous fait tout découvrir pour ceux qui voudraient voir sur le serveur et qui peuvent pas y aller ou voilà tout simplement. En tout cas n'hésitez pas à y aller, l'IP est dans la description. Et Traumatica ça dure je sais pas combien de temps, ça dure jusqu'à... Je sais plus. Je sais plus, mais je vais faire en sorte de publier cette vidéo le plus tôt possible. Mattel Brown Beats. Mais non. Attends, c'est énorme. Attends, c'est exceptionnel. Attendez, juste là, c'est une exclue. C'est une exclue de ouf. Parce que je l'ai jamais... Mais non, c'est énorme. Ah non, là par contre, là, je suis super content. Merci, parce que là, c'est une exclue. Là, c'est une exclue, quoi. Ça n'a rien à voir avec Traumatica. Mais elle était trop bien, elle était rigolote, cette... J'ai trop aimé. J'avais bien aimé ce manège-là. La queue était beaucoup trop longue, mais c'était trop bien. Bon, après, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle de certains trucs. Donc, s'il n'y a pas ces machins, je vais directement le remarquer. Donc là, ouais, ça descend. On passe à côté de la file d'attente. Ah ouais, t'entendais les mecs crier. Genre en mode... Ça, c'était marrant, ça. Bon, c'est dommage, j'ai des petits bugs. La photo qui a été prise, on passe dans le machin, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, bon, c'est dommage, j'ai des petits bugs. Hein. Par contre, vous avez vu, c'est saccadé et tout, c'est pas fluide, malheureusement. Exactement, c'est fini. Très bien. Eh ben c'est sympa. Du coup les amis, on va arrêter la vidéo ici. Peut-être et sûrement j'ai raté des trucs en rapport avec Traumatica. En tout cas merci beaucoup à Nathan qui m'a beaucoup guidé, donc qui fait partie du staff et qui est donc animateur hein, il me semble. Voilà, merci de m'avoir guidé parce que sinon j'aurais vraiment été encore plus dans le mal, mais j'ai potentiellement pas tout fait. Et d'ailleurs c'est le but du jeu. Et puis c'est une avant-première. Voilà, je rappelle que ce soir c'est une avant-première. Je ferai en sorte de sortir cette vidéo assez rapidement. Mais du coup, voilà, au fil du temps, il y aura d'autres, j'imagine, d'autres animations, d'autres modifications. Là, comme ils l'ont dit, donc c'est une avant-première. Et tant mieux si je vous ai pas tout montré. Comme ça, vous pourrez aller découvrir par vous-même. Et j'ai plutôt hâte de retourner à Europa Park en vrai, IRL, avec ma copine. Ça va être grave cool. Et voilà, ça m'a un petit peu hypé, même si, évidemment, si on va à Europa Park, personnellement, ma motivation première, c'est pas sincèrement pour Traumatica, mais c'est vrai que ça peut être assez sympa si on peut y passer. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines. C'était Mkolo, ciao tout le monde.